Ouais, salut tout le monde, c'est Sam, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, écoutez, aujourd'hui on va se retrouver pour le top 5 du mois de janvier. Donc vous avez été encore nombreux à venir participer et je voulais vous remercier encore une fois. Donc je vais vous remercier de toute façon à chaque début de top 5 et on va dire c'est mon petit speech habituel, hein, on va dire ça comme ça. Donc voilà, merci à vous, hein, étant donné que ces top 5 ne se font pas tout seuls, hein, c'est peut-être moi qui ai lancé ce projet sur ma chaîne, même si j'ai pas créé le top 5, hein, on sait tous que je l'ai pas créé. Mais étant donné que c'est moi qui ai lancé ce petit projet sur ma chaîne, c'est en partie grâce à vous, étant donné que c'est vous comment dire, qui m'envoyez vos vidéos, donc vous participez à ce projet, donc voilà, donc je voulais vous remercier. Donc concernant le prochain top 5, donc ce top 5 là, du mois de janvier, c'était les backgrounds, donc le mois prochain, donc février, mars, donc ça sera, j'avais dit quoi? J'avais dit wallpaper, arrière-plan et photo manipulation, donc voilà. Et puis le mois prochain, donc mars-avril. Donc ça sera donc tout réuni, donc ça peut être background, ça peut être logo, ça peut être même des graffitis, ça peut être n'importe quoi. Donc voilà, donc on va dire que c'est l'ensemble de toutes les catégories dans le même top 5 quoi, donc comme je vous avais dit sur la vidéo précédente. Donc voilà, écoutez, on va tout de suite se retrouver pour le top 5. En tout cas j'espère que ça vous fera plaisir, j'espère que ça fera plaisir aux gagnants. Ceux qui ont perdu, j'espère que vous ne serez pas mauvais perdants et que vous viendrez participer pour le prochain top 5. Étant donné que je fais ça pour le plaisir, donc j'espère que vous aussi vous faites ça pour plaisir et non pour la gagne, donc voilà. Donc allez, on se retrouve tout de suite pour le résultat. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec la cinquième place qui est attribuée à XD for My Life, qui nous propose un background assez simple, je dois dire, mais qui mérite quand même sa cinquième place. Allez jeter un coup d'œil à sa chaîne, le lien de sa chaîne donc qui est dans la description. Je vous laisse quelques instants avec son speeder, c'est parti. Allez, on enchaîne tout de suite avec la quatrième place qui est attribuée à DoWeFix, qui nous propose un background assez original où franchement j'ai vraiment aimé le concept avec la bouteille. Donc voilà, c'est du 2D, c'est voilà, c'est un petit peu mon domaine. Donc voilà, tu mérites ta quatrième place, bravo à toi. Lien de sa chaîne dans la description, je vous laisse tout de suite avec son speedart. Allez les amis, c'est le moment de vérité, on se retrouve donc dans ce top 3 avec à la troisième place The Assassin qui nous propose un background vraiment très très original. Moi j'ai aimé le concept aussi pour ce background, c'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours, donc voilà, je pense que vous avez un petit peu compris mon point faible, c'est de m'envoyer des backgrounds originaux, donc je pense que si vous m'envoyez tous des backgrounds originaux, ça va être un peu dur de faire un top 5 et je pense faire un top 100. Non, bien sûr, c'est une blague. Bon, en tout cas, je vous laisse sa chaîne dans la description et je vous laisse tout de suite quelques secondes avec son speedart. À tout de suite. Allez, ce top 5 touche bientôt à sa fin avec ce top 2 donc à la deuxième place qui est attribué à Roi Casse-Croûte, qui a vraiment un pseudo original tout comme son background avec une 3D très spéciale. Oui, je répète encore le mot original tout simplement car pour moi je privilège l'originalité. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui est pour moi essentiel dans l'univers du design. Donc voilà, quelque chose d'original, moi pour moi ça part toujours gagnant. Si ça continue, vous allez trouver ma faiblesse, donc vous allez me proposer tous des backgrounds originales et vous, ça va devenir un top 100, enfin bref. Donc voilà, donc sa chaîne se retrouve donc dans la description et je vous laisse quelques instants avec son speedart. Allez,
Allez, c'est le moment que vous attendez tous, donc qui a remporté ce top 5 du mois de janvier? Eh bien, vous allez le savoir tout de suite avec ce petit roulement de tambour à la One Again, blablabla, boum. Et c'est iWiz donc qui remporte ce top 5 du mois de janvier avec la première place donc. Il nous a fait un background vraiment très très joli. Moi personnellement, avec la 3D, c'est vraiment pas mon truc. Hein. Cinema 4D et moi, c'est pas bon ménage, je veux dire ça comme ça. Hein. Donc voilà, donc c'est une 3D vraiment très avancée. Bravo à toi, donc voilà, tu mérites ta première place. Bravo donc aux autres participants. Je vous laisse tout de suite avec son speed art, quelques instants évidemment. Et donc sa chaîne, vous allez retrouver donc sa chaîne dans la description. Allez, à tout de suite, je vous laisse quelques instants avec son speed art. C'est parti. Et donc voilà, ce top 5 touche à sa fin. J'espère que vous avez pris plaisir à venir participer. Donc comme je le rappelle souvent, moi je fais ça pour le plaisir. Donc voilà, j'espère que ceux qui ne sont pas dans ce top 5 ne seront pas déçus et qui viendront donc revenir participer pour le prochain top 5. Donc je le rappelle, le prochain top 5 ça sera photomanipulation, wallpaper et arrière-plan. Donc voilà, donc j'espère que vous serez nombreux encore à venir participer. Je vous souhaite à l'avance bonne chance. Vous pouvez d'ailleurs déjà participer hein, en m'envoyant donc vos messages, donc vos vidéos, enfin plutôt vos speedars, hein, vous avez compris, par message privé YouTube. Donc voilà, en précisant que c'est pour le top 5, et n'oubliez pas de préciser que c'est pour le top 5. Donc voilà, concernant donc ce top 5 background, je tenais juste à préciser que vous n'êtes pas obligé d'inclure mon logo dans vos vidéos. Donc c'est vraiment pas obligé, c'est à vous de choisir vos vidéos, c'est à vous de faire vos vidéos personnelles, comment dire, vous choisissez, hein, je vous force pas la main en incluant mon logo, donc voilà. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ah oui, pour les commandes, donc ceux qui veulent commander des backgrounds, lisez la description de ma chaîne s'il vous plaît, parce que je reçois énormément de demandes et les gens ne lisent pas ma description de chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est très important. Donc voilà, toutes les infos sont dessus. Description de chaîne, pardon, qui se trouve donc évidemment sur ma chaîne à droite. Donc voilà. Donc moi, je vais vous laisser, c'est fini pour moi. J'espère que ce top 5 vous a fait plaisir. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à me suivre sur Twitter. Hein. Je vous donne des petites informations qui sont, qui sont importantes. Voilà, si vous avez un compte Twitter, n'hésitez pas à me suivre. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Allez, salut!